salut! Vous savez quoi? C'est déjà la fin de l'année scolaire! L'été arrive! Ben, en fait, l'été est comme déjà là. Puis nous, l'équipe d'animation de culturelle, on se disait, ben, c'est fort probable qu'il y a des gens qui vont vouloir se lancer en création de vidéos cet été, hein? C'est pas improbable vu les circonstances intéressantes dans lesquelles on vit en ce moment. Alors, on s'est dit, ben, nous, on pourrait peut-être aider. Regarde. On a appris plein de choses, nous autres, en faisant ces vidéos-là cette année. Fait qu'on vous a fait une compilation de moments d'apprentissage. On va appeler ça demain. Il y a des fois où, peu importe ce que tu mémorises, ta bouche, elle va faire ce qu'elle veut. En fait, ça fait 400 ans qu'on mange ça au Canada. Les colons français ont peur. Bienvenue dans ma maison. Bienvenue à ma pandémie. Quand est-ce qu'on change l'heure? À toutes les 60 secondes? Non. Mais qui est tellement meilleur pour la santé si tu la cuisines à la maison? C'est une recette... Wow, wow, wow! On se calme! Regarde, c'est pas grave si t'as de la difficulté à parler devant la caméra. T'as juste à t'assurer que tes actions au moins soient bien répétées. On va le faire dans un bain-marie. Tout ce que c'est un pot à yoye, quand même assez chaud, assis dans un bain d'eau chaude. Comme ça, ça disperse la chaleur puis il n'y a rien qui brûle. Bon, il faut vraiment réviser le plan de tournage une couple de fois avant de tourner. L'autre chose qui est importante à considérer, c'est ton décor. Fais le tour un tout petit peu, juste vite fait, avec tes yeux avant de peser enregistrer. Alors, si tu veux faire la recette de base de juste deux ingrédients, tu n'as rien besoin de réchauffer. Tu mets carrément deux pour un. La seule chose qui reste à faire, c'est d'y mettre l'eau chaude. Et si vos animaux de compagnie décident qu'eux aussi veulent participer à votre vidéo, inspire and go with it, hein? Parce qu'eux aussi s'ennuient probablement parce qu'eux aussi, ça fait longtemps qu'ils sont en cabané. Pour éteindre le feu qui consume mon cœur, il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. T'aimes ça écouter un match d'impro? Ben, non. Oh, paraît que Chucky, c'est plus un grand méchant, mais plutôt... Hey, ça, c'était pas gentil. Ouais, c'est vraiment amusant de faire des films. OK, sans farce, on voulait juste vous faire rire un tout petit peu. On voulait vous partager nos bloopers parce que nous, on s'est tellement amusés à faire des capsules pour vous cette année. Fait que si vous décidez de faire ça, great, amusez-vous. Quoique, restez pas collés trop longtemps devant un écran parce que l'été, c'est fait pour aller dehors. Allez vous amuser, allez apprendre une nouvelle habileté. Choisissez-vous une nouvelle passion, je sais pas trop, mais assurez-vous d'être prudent puis de revenir partager toutes vos aventures avec nous rendu au mois de septembre. On se voit bientôt. Bye!